Pareil. Et merci de rester avec nous. Bonsoir si vous nous rejoignez. Christine Dufour est avec nous pour le plus. Bonsoir Christine. Bonsoir Vincent. Ce soir avec votre invité, vous nous parlez d'un événement qui fait déjà beaucoup de bruit avant même d'avoir commencé. Effectivement Vincent, cet événement c'est le grand rendez-vous musical qui se tiendra dès vendredi et jusqu'au 6 mai sur l'ancienne base aérienne de Cambrai, le Technival 2013, ce grand rassemblement des amateurs de musique électronique qui fête cette année ses 20 ans. Jusqu'à 40 000 personnes sont attendues pendant ces 3 jours de musique non-stop. Alors pour en parler avec nous ce soir, Yvan Bourreau. Bonjour Yvan, vous êtes en duplex du siège de France Télévisions à Paris. Vous êtes membre du Sound System MST et médiateur de cette manifestation. Alors effectivement, Vincent le disait, c'est un événement qui fait beaucoup de bruit avant l'heure. Vous ne souhaitiez pas, vous, effectivement, être sur le site de l'ancienne base aérienne de Cambrai? Non, exactement. On ne souhaitait pas être sur cette base car on avait à la base choisi quelque chose d'autre, la base aérienne numéro 112 vers Reims. Parce que la numéro 103, en fait, bah, les habitations sont vraiment mais très, très, très proches de l'événement, quoi. À 462 mètres pour les maisons les plus proches, d'après la simulation qu'on a pu faire sur Google Earth. Alors, effectivement, il y a une grosse polémique, justement, autour du choix de ce site. C'est vrai que quand on parle Technival, on pense beaucoup à la drogue, les bagarres, l'alcool. On a consulté, justement, les téléspectateurs pour savoir s'ils craignent cet événement. Alors, la réponse pour près de 80% d'entre eux, eh bien, est non, ils ne craignent pas cet événement, Vincent. Alors, Yvan Bourreau, qu'est-ce que vous dites pour rassurer les 20% restants qui ne sont pas encore tout à fait convaincus de votre présence durant ce week-end? Bah écoutez, un Technival, c'est pas un événement où il y a plus de drogue ou de bagarre que dans une boîte de nuit ou dans une feria dans le sud. Ça reste un événement musical et culturel avant tout. Et franchement, bah, l'année dernière, par exemple, le plus gros bobo qu'il y a eu, c'est une cheville foulée, quoi. Donc avec 25 000 personnes sur le terrain pendant 3 jours... Vous voyez un peu les risques. Enfin bon, c'est pas énorme, quoi. C'est plutôt rassurant. Et ça va sans doute rassurer l'un de nos internautes, Pascal Masnov, qui sur notre page internet nous dit: un rassemblement musical est généralement sans débordement, mais le Technival, est-ce de la musique ou juste des débordements? La question est posée. Et effectivement, il y a quand même un dispositif important de sécurité qui est mis en place pour ce rendez-vous, Yvan Bourreau. Oui, il y a un important dispositif, mais ça c'est normal. D'ailleurs, nous on demande justement que ce soit bah, quelque part encadré, parce que c'est pas non plus une zone de non-droit. Ça, on n'a rien contre le fait que ce soit encadré. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que quand même, il y a eu concertation avant, quoi. Ce qui n'a pas été le cas cette année, quoi. Ce qui n'a pas été le cas, on va le voir ensemble dans quelques instants. On est allé demander aujourd'hui, ce matin, dans les rues de Cambrai, aux habitants de Cambrai, ce qu'ils savaient de ce qu'était un Technival. On écoute tout de suite leur réponse. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Technival? Non, pas du tout. C'est un festival de musique? Ouais, de techno? Musique électro, je sais pas. C'est la rave party? Je sais que souvent ça se passe dans les grands parkings ou les champs, où les gens viennent et puis quand ça part un peu trop, ça fait mal. Mais autrement, voilà, c'est une grande manifestation de la musique techno. C'est le festival de jeunes qui aura lieu à la BA103? Ouais. C'est ça? Et alors, vous en pensez? Oh, j'ai pas grand-chose à dire dessus, je connais absolument pas. Donc je trouve que c'est dommage, j'aurais préféré qu'il y ait des emplois qui se créent plutôt qu'autre chose. Prévu d'y aller? Bah ouais, je pense que moi j'ai bien envie d'y aller, ouais. Bah si elle y va, je vais la suivre. Alors, Yvan Bourreau, vous l'avez dit, vous n'avez pas été concerté pour le choix de ce site. Qu'est-ce que vous craignez principalement par rapport justement à la proximité des habitations dont vous parliez? Bah nous, vraiment le souci majeur là-dedans, c'est que... Bah, les locaux, imaginez quelqu'un à 450 mètres à peu près qui entend boum 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 pendant 3 jours, il y a moyen de vraiment s'énerver et de péter un câble, quoi. Nous, vraiment, le problème, c'est ça. C'est vraiment les habitations sont vraiment trop près. Et le site qu'on avait proposé, nous, c'était pas du tout le cas. Les habitations étaient beaucoup plus loin, quoi. Alors justement, on est allé interroger les habitants du village d'Épinois. C'est un village qui est vraiment aux premières loges de la manifestation, pour savoir ce que en pensent les riverains. Regardez, c'est un reportage de Florence Mabi et Benoît Bunicourt. Il sera aux premières loges. Ce riverain habite à quelques mètres de la BA 103.
Vendredi, les décibels du Technival remplaceront ceux des avions qui survolaient il y a peu encore sa maison. On est habitué aux avions. Hein ? Avec là, on ne sait pas ce qui nous attend. Hein. Enfin, on a un petit aperçu quand même. Hein. Ce qu'on a vu en Bretagne, c'était pas gai. Hein. Qu'est-ce que vous craignez ? L'insécurité. Perplexe, cette voisine de l'ancienne base aérienne, elle aussi ne sait pas trop à quoi s'attendre. J'ai jamais assisté à ce genre d'événement. J'ai entendu parler, mais je ne sais pas. Inquiète ? Non, je pense que ça va être quand même encadré. Ils vont quand même faire ça sérieusement. Le Technival, contraction de techno et festival, souffle cette année ses 20 bougies. Cette gigantesque rêve partie traîne avec elle une réputation sulfureuse. Sachet d'ecstasy saisi, personne évacuée dans les hôpitaux. L'esprit free party se paie parfois très cher, comme par exemple cette jeune fille retrouvée morte en 99 en Bretagne. À ce jour, le plus grand du genre est celui de Chamblay, jusqu'à 110 000 participants. Un 1er mai 2004 qui marque le début de la légalité pour le Technival. Vendredi à Cambrai, les sound systems attendus sur l'ancienne base aérienne utiliseront une puissance équivalente à 15 concerts au Stade de France. Alors Yvan Bourreau, vous parliez tout à l'heure éventuellement d'un risque qu'un riverain proche de ce genre de Technival... Vous disiez un pète un câble. Est-ce que ça vaut pas le coup de s'interroger sur la nécessité de maintenir ce festival si un seul festivalier peut être à un moment donné en danger ? Bah écoutez, les services de l'État donc vont mettre un dispositif de policiers, de gendarmes assez efficace et justement pour parer à ce genre de soucis. Donc là-dessus, on s'inquiète pas. Mais c'est sûr qu'on aurait aimé vraiment que ce soit dans un autre endroit où il n'y ait justement pas de personne qui puisse en péter de câbles. Merci Yvan Bourreau d'avoir été avec nous ce soir. L'information continue.